Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine, et je pense qu'on doit être au numéro 38, je pense. Alors je fais toujours une petite récap au début de la vidéo, déjà pour expliquer ce que c'est cette vidéo. Alors le journal créatif de la semaine, je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Ça peut être en broderie, en tricot, en crochet, en diamond painting, et il peut y avoir quelquefois d'autres loisirs. Bon, pas en ce moment, mais il devrait bientôt en avoir de nouveau. Donc on a aussi on peut avoir du coloriage et peut-être d'autres choses. Voilà. Donc Non, oui, ça commence déjà. Alors, j'avais toujours, comme vous avez pu voir en début de vidéo, je vous ai mis les photos des broderies que j'ai en cours. Voilà, donc j'ai toujours les hérons de chez Lanart, les pans de chez All Forest, le Bouddha de poussière d'étoile, la grenouille de poussière d'étoile également. Le jus de carotte de Lily Point, le toast à l'œuf de Magic Needle. Ensuite, j'ai dans les salles le sale mystère de poussière d'étoile, qui est déjà terminé depuis longtemps, et moi je suis en retard. Le sale colibri que j'organise sur mon groupe, donc c'est un motif de poussière d'étoile également. Le sale Alice au pays des merveilles de chez All Forest, qui est organisé sur mon groupe également. Le sale du nouvel an, toujours sur mon groupe. Le sale de la maison météo, toujours sur mon groupe. Vous voyez, sur mon groupe, il y a quand même beaucoup d'activités. Le sale des ours de Noël, c'est un modèle de All Forest, mais pareil, que j'organise. Et le sale All Forest Punky Color Automne, non comme ça, je retiens jamais le nom. Donc Julia organise. Et j'avais également des achats ED. Donc les achats ED, il y a le Eden Arbor, c'est-à-dire, vous savez, le paysage, la japonaise, le chat et la steampunk. Mais la steampunk n'est pas un HAED, ne vient pas du site HAED, c'est une image, pardon, image gratuite que j'ai récupérée sur Internet et que j'ai transformée en grille de broderie, et qui est quand même très grand et qui peut être considérée comme le même style qu'un HAED. Voilà, c'est une couverture complète. Ensuite, il y a aussi
la série des fleurs de Joy Sunday. Pardon. Donc ça, c'est un estampé. Et en estampé, on avait fait un tirage au sort avec la roue. Donc il y avait la dame de Noël et les lapins. Après, ensuite en tricot, je devais faire le pull camionneur et mon pull fil d'art. Voilà. Et j'avais également les deux couvertures météo. Celle de l'année dernière et celle de cette année. Voilà. Pacha, viens là. Viens là. Ou viens dans le fauteuil à maman. Alors, j'ai descendu parce que bon, de toute façon en haut je n'y suis presque jamais maintenant. J'ai redescendu mon anneau lumineux comme ça on voit beaucoup mieux, je pense, et vous verrez mieux les couleurs, les broderies, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ça y est, je mets alors, c'est un berger de France, oui, je crois. Donc, c'est un, vous voyez, il est sans manches. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon petit gilet que j'ai fait également. Ça, c'est un fil d'art. Et ça, c'est un petit top, du coup, en coton que j'ai fait. J'ai fait quand? L'année dernière. Oui, l'année dernière. Il est tout en coton, vert et blanc. Voilà. Allez, vas-y, va, allons. Voilà le fauteuil, maman. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut le booster de temps en temps. Voilà, donc du coup, c'est la première fois que je le mets. Et ben, je l'aime bien. Voilà. Alors, pour commencer, alors, vous avez peut-être vu la vidéo, hein, je vous ai fait la vidéo de l'encadrement. Donc, voilà, une de terminée. Donc, c'est la série des fleurs Joy Sunday, je vous disais. Donc, il y a 8 fleurs. Là, c'est la cinquième, c'est les coquelicots. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Il est vraiment tip-top. Voilà. Donc, je l'ai encadré. Elle a rejoint ses petites copines, ses 4 autres copines sur l'étagère. Et donc, il en reste 3 maintenant. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la. J'aime beaucoup les faire. Bon, c'est petit, c'est rapide et puis c'est assez simple à faire quand même. Alors, on va commencer par quoi? Par le début. Bon, je vais prendre au hasard. Alors, dans toutes les broderies que je vous ai dit, non, c'est pas ça que je voulais dire. Diamond painting, je n'ai pas eu le temps cette semaine. Maintenant, je suis arrivée au bout, hein. Je n'ai plus qu'à le terminer. Il restait que 3 cases, mais je n'ai pas eu le temps cette semaine de le faire. Donc, il sera fait la semaine ici qui arrive. Donc vous pourrez le voir terminé au prochain journal créatif. Je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu visite avec mon médecin traitant. D'ailleurs, ce n'était pas lui, c'était un remplaçant. J'aime pas quand c'est des remplaçants. Il faut toujours aller. On répète, on raconte. J'aime pas. Je suis en train de chercher ce que j'ai fait. J'ai eu mon IRM, voilà, pour mon genou. Alors, bon, là, j'ai pas revu le médecin. Je le verrai la semaine prochaine, puisque mon médecin, moi, rentre la semaine prochaine. Donc, je vais attendre un petit peu. Et j'ai eu les résultats. Je pense qu'il n'y aura pas d'opération. Donc, ça, c'est déjà bien. Non, normalement, je pense qu'il n'y aura pas d'opération. Mais c'est de l'arthrose, donc c'est une grosse arthrose, je crois. Mais bon, avec tous les termes médicaux qu'ils mettent sur les comptes rendus, ben, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile à savoir
ce que ça veut dire. Voilà. Bon, j'ai vu le mot arthrose, ça j'ai compris. Donc, c'est l'arthrose et un épanchement. Voilà. Donc, ça, on verra, je pense, l'épanchement. S'il n'est pas important, je crois que ça attendra. S'il est important, bon, je sais qu'on doit pomper l'eau qu'il y a dans le genou, mais bon, ça, c'est pas encore très, très grave. Et puis, ben, j'ai eu d'autres choses à faire avec Chouchou, tout ça, donc voilà. Du coup, pareil, en broderie, je n'ai pas pu tout faire, mais j'ai quand même fait des belles sessions sur ce que j'ai fait. J'ai fait aussi des bobinettes, j'ai bobiné. J'ai fait la moitié, ouais, là, je crois que c'est la moitié des couleurs pour le HAVD du chat. Voilà. Alors, pour le chat, oui, j'ai décidé de le continuer. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous remettrai la photo et je vous montrerai peut-être. J'ai rien brodé dessus cette semaine, hein, de toute façon. Puisque je vous dis, j'ai bobiné par contre les fils pour ce HAED. Mais donc j'ai décidé de le faire. Par contre, dans la bordure noire, c'est là où ça me posait problème, vous vous rappelez, puisqu'il fallait mettre du noir, donc du 310, et il fallait mettre du 939, donc le bleu marine. Et moi, je ne voyais aucune différence. Donc, il y a la licorne qui, elle, a une bordure noire aussi, mais elle est entièrement noire. Donc, du coup, je vais faire comme pour la licorne, je vais faire une bordure entièrement noire et je ne mettrai pas de 939. Voilà. Je ne vais pas m'embêter parce qu'en plus, le 939, c'est un point ici, un point là, un point là. Non. Je vous avais dit, hein, j'avais quand même mal au cœur de ne pas d'être entre deux eaux. Je ne savais pas si j'allais l'arrêter tout de suite ou. Voilà. Oh. Voilà, Fifi. Oui, ça va? Tu viens dire bonjour? Oui, donc, voyez, on parle de chat. Du coup, j'ai décidé de continuer cette broderie, mais je n'utiliserai pas le 939 dans la bordure. Voilà. Ça va? Alors, je sais que certaines d'entre vous m'ont dit, ouais, j'aurais dû le prendre en 90 couleurs. Là, je l'ai pris en max couleur. Donc, j'ai 238 couleurs, je crois. Oui. Mais bon, bah, tant pis, c'est fait. Je ne vais pas racheter une grille pour changer le nombre de couleurs. Bon, maintenant, ce sera comme ça. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais commencer à vous montrer donc ce que j'ai fait cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout fait, mais j'ai avancé quand même. Alors, le premier, ce sera les ours de Noël. Donc, c'est un modèle de chez All Forest, c'est un modèle gratuit. Normalement, il y aura déjà le lien en barre d'infos. Alors, je suis un tout petit peu en retard parce qu'aujourd'hui, nous sommes le combien? Je ne sais même pas quelle date on est. Non, c'est pas ça. On est le 27, ça? Oui, on est le 27 aujourd'hui à l'heure où je vous fais la vidéo. Et il reste 27, 28, 29, 30. Oui, 30. Donc, il reste 3 jours pour finir le mois. Bon, on verra. J'arriverai peut-être à le finir. Mais donc voilà, mon petit ours. Il a bien avancé. Il lui manque sa tête. Il lui manque sa tête. Bon, finir un petit peu son manteau ici. Et il y a une bordure comme ça qui va être ici en haut. Voilà.
Là, vous voyez, c'est bien que j'ai mis l'anneau parce que vous voyez bien la couleur de mes toiles. Vous allez bien voir les couleurs de mes toiles. Du coup, celle-là, c'est une toile teintée main de chez Tom et Lily Création. Oui, je crois que c'est ça que j'avais gagné sur Instagram. Voilà. Alors, en voilà une. Et donc, les ours, j'ai fait 250 croix. Voilà. J'ai fait 250 croix dessus. Oui, il y a aussi mon challenge. J'ai oublié. Le challenge, rappel pour celles qui ne savent pas, c'est un challenge que je me fais à moi toute seule. Je prévois de faire 3000 croix par semaine. Donc jusqu'à maintenant, à part une fois peut-être, j'ai toujours réussi à faire mes 3000 ou plus par semaine. Donc là, je vous dirai après si j'ai réussi. Alors, ici, ça c'est quoi? Oui. Le sale Alice au pays des... Oh là là, j'ai tout qui s'en va. Alice au pays des merveilles. Voilà. Hop, on va y arriver. Donc, ce mois-ci, donc j'ai fait tout ça ici. Voilà. Ah ouais, là c'est bien. Vous voyez bien les couleurs de toile. Bonne idée hein, d'avoir descendu l'anneau lumineux. Alors ça, c'est une toile vert olive. Voilà, une étamine 12,6. 12,6 fils. Et je trouve que le résultat est pas mal sur cette toile. Voilà. Alors, elle, j'ai compté approximatif, je crois. Où est-ce que j'ai mis ça? Sais même pas où je l'ai mis. Où est-ce que je t'ai mis? Bah mince, je l'ai mis où? La broderie Alice. Je l'ai pas marqué. Ah bon, bah c'est rien. Donc la broderie Alice, je sais que j'ai fait aussi environ 250 croix. Là, par contre, je brode avec papier, patron papier, puisque on ne peut pas le mettre sur Pattern Keeper. Voilà. Mais bon, j'ai fait environ 250. Voilà, bah du coup, je le remarque sur mon cahier, parce que j'aime bien noter et savoir où j'en suis. Voilà. Mais très agréable à faire. Hein. Très, très bien. De toute façon, les modèles All Forest, ils sont très, très bien. D'ailleurs, je vais vous parler d'une petite chose après pour All Forest. Ensuite, oui, celui-là. Alors là, j'ai un... je rigole, mais bon, je dois en avoir. Là, c'est le sale que Julia organise. Donc, c'est un modèle All Forest. Le voici. Alors, j'ai fait la citrouille qui est ici, la petite citrouille là et l'écureuil. Voilà. J'ai fait ces trois motifs-là. Alors, je vous explique, vous allez me dire, bah oui, mais là, tu n'as pas fini ta feuille. Non, j'ai pas terminé ma feuille. Je suis tombée en panne de cette couleur dans ma boîte à fil. Et j'ai commencé à chercher dans ma réserve
mais bon, j'ai pas terminé de fouiller parce que j'ai tellement, tellement de fils. D'ailleurs, il va falloir que je me prenne un jour une journée où je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je les classe parce que tout n'est pas bobiné, bien sûr, mais il faudrait que je bobine. J'essaye de bobiner au moins, faire 10 bobines par jour, je pense, pour pouvoir ranger tous mes fils. Mais j'en ai une quantité astronomique. Et du coup, j'ai cherché ce fil-là, et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Alors j'espère que je tombe, j'espère, normalement, je dois en avoir. Je vais continuer mes fouilles certainement demain pour trouver cette couleur. Sinon, je vais devoir en commander. C'est le comble. Je vous dis, je dois avoir 2 ou 3 000 échevettes. Ouais, 2 ou 3 000 échevettes. Et c'est vraiment les boules quand je vois que je tombe en panne d'une couleur. Je vous jure. Donc là, Julia, oui, là j'ai fait quand même un grand morceau, on dirait pas, mais il y a de la croix. J'ai fait 506 croix pour ces trois petits motifs. Je suis arrivée à 59,20%. Voilà. Donc le reste est là, vous voyez. Donc il avance bien. Contente. Bon, jusque là j'ai pas fait mes 1000 points de je suis à la moitié, j'ai pas fait mes 1000 points du mois, mais bon, on va rattraper. Alors vous savez ce qui se passe, j'ai deux petits poilus qui veulent aller faire leur petit pipi. Allez, je fais une pause de 5 minutes. De toute façon, leur pipi va aller très vite parce qu'il pleut très fort dehors. Donc, ils n'aiment pas la pluie. Donc, on revient tout de suite. Voilà, la pause pipi est finie. Et regardez, il y en a déjà un qui a squatté mon fauteuil. Alors, lui, justement, cet après-midi, ouais, j'ai pas mal brodé aujourd'hui. Mais à 3 h, je dis, bon, je me fais une petite pause. Ça faisait déjà plusieurs jours que je devais le faire. Parce qu'il avait des nœuds. Ah, il y avait des nœuds. Donc, je les brosse régulièrement, hein, mais bon. Et j'ai dit, il n'y a pas, allez hop, la tondeuse. Je le tonds, c'est le Yorkshire. Hein. Je lui fais un coup de tondeuse 2 fois par an. Voilà, je le fais moi-même. Bon, là, à part aujourd'hui, il n'est pas fait très régulier parce qu'il avait trop, trop de nœuds. Et bah, les nœuds, ça leur fait mal. Hein. Et du coup, il bougeait beaucoup, beaucoup. Et donc là, bon, je l'ai rasé. Il est, bon, je ne sais pas si vous voyez là. Il est rasé. J'ai pas fait, sa queue n'est pas faite. La queue, souvent, je la coupe bien droite. Voilà, je la laisse longue, mais je la coupe bien droite. Et sa tête est un peu mal faite parce à la fin, il n'en pouvait plus. Il en avait marre. Donc, il y a des petits, un petit côté plus long que l'autre. Mais c'est pas grave. Cette semaine, quand il va, j'espère qu'il va faire meilleur, je vais lui repasser un petit coup de tondeuse partout, mais juste pour égaliser. Remettre droit là où c'est pas très droit, voilà, et prendre un petit bain. Voilà, il va prendre un petit bain à la noix de coco, comme ça il va sentir bon. Et puis il aura pas cher, s'il met pas cher, je peux pas le tondre. Chouchou, il veut pas, bah, c'est son chien. Hein. Il fait non, 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 on le tond pas. Oui, il était plus vite que toi, il a pris le fauteuil à maman. Je vous montre. Voilà. Le fauteuil à maman. Allez, vas-y. Va dans le fauteuil à maman. Tu vas? Bon, il va pas.
Voilà, allez, je vous repose. Je me suis pris un petit verre. C'est du thé pêche. À la maison, il n'y a pas d'alcool. Donc, je risque pas de boire de l'alcool pendant une vidéo. Hop, le seul alcool qu'il y a à la maison, c'est du rhum. Donc, c'est l'alcool, mais pour cuisiner. Donc, il va y avoir des petites, vous savez, les mini cannelles, les mini bouteilles là, de vin rouge, de vin blanc, du rhum, c'est tout. Et il y a du whisky pour quand mon fils vient. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'alcool dans la maison, tout au moins pour nous. Et j'ai quelques canettes de bière, si, pareil pour quand je fais de la carbonade ou les choses comme ça. Voilà. Allez, hop, l'entracte est terminé. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré dans les petites? Alors, celle-ci, c'est non. Oui. Alors, je vais vous mettre une photo parce que là, je l'ai remis dans le QuizNap. À moins que je l'enlève, mais bon. Bon, je vais vous mettre la photo, ce sera aussi bien. J'ai fait deux étapes, bananaire. J'ai fait deux étapes. Deux petites, c'était deux petites étapes. Alors, bah là, vous voyez un morceau là de l'étape 6, voilà, et l'étape 7 est faite. Donc, on voit les fesses du Bambi, voilà, et des fleurs. Alors, ouais, il y a encore une petite étape qui vient ici que je vais faire cette semaine. Et après, ben, il me restera la plus grosse étape, c'est-à-dire le reste du corps et la tête du Bambi. Donc, le Bambi, le voilà, voyez. Et de ce côté-là, je crois... Ah, attendez. Un, deux, trois... Oui, non, c'est bon. Je me disais, mince, il me manque une fleur, mais non. Donc voilà, j'ai fait deux étapes sur le sale mystère de Sabine, poussière d'étoile. J'avais pris énormément de retard, mais de toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Hein? Oui, vous avez l'habitude. Je ne suis jamais, très rarement à jour dans les salles. Alors là, c'est vraiment très, très... J'ai des salles qui sont en attente que j'avais fait pour Noël l'année dernière, mais que je n'avais pas fini. Et qui sont en attente pour que je les ressorte pour les faire, pour les continuer. Donc moi, c'est ma marque de fabrique. Hein. Voilà, je prends beaucoup de retard. Bon, je sais qu'on m'a déjà dit, ouais, mais tu as trop d'encours. Si tu en avais moins, si tu n'en avais qu'un seul. Oui. Ouais, mais bon. Je vais pas changer, hein. Alors, celui-là, je l'ai mis où? Là. Alors, ah oui, attendez, il faut que je vous fais. Parce que du coup, j'avais marqué. Hop. 4, 5, voilà. J'ai fait en tout, pour les deux objectifs, 529 croix. Voilà. Cette semaine. J'ai fait, on ne dirait pas, vous hein, voyez, c'est des petits objectifs, vous voyez. Mais il y a 529 croix et un peu de points arrière pour faire les tiges. Voilà. Pacha, s'il te plaît. J'aime beaucoup, beaucoup le faire. Et maintenant, j'ai quand même hâte qu'il soit terminé. Alors, il me reste trois étapes à faire. Une qui... L'étape 8 qui va être petite, hein, qui est là du côté des fleurs. Donc, c'est des fleurs à faire. Ben oui, mais il a pris ta place. Enfin, de toute façon, c'est la place à maman, ça. Les deux dernières étapes, elles vont être un peu plus longues à faire. Donc, mais
ça se fera. Et ça va me permettre de trouver un joli cadre pour l'encadrer. J'ai le temps de trouver un joli cadre. J'aurais me trouver un cadre j'ai une nez qui gratte en bois, vous savez. Donc allez Pacha, prends la faute à maman. Vas-y. Allez. Allez, vas-y. Voilà. Et content. Voilà. Changement. Je vous jure. Pire que des gosses. Oui, je voudrais me trouver un joli cadre en bois foncé, vous savez, pour pouvoir l'encadrer. Donc ça, c'est bon, ça c'est bon. Je vous ai montré. Je bois un petit coup, j'ai soif. Ah, ça fait du bien. Alors ici. Alors, ce que je n'ai pas touché, bon, ces broderies-là. Alors, attendez. Dans ce sac-là, je n'ai pas touché. Alors, je vous dis que je suis en retard. Je dois être née en retard. je suis toujours sur l'étape 3 du nouvel an. Alors que là, l'étape 4 est en train de se terminer. Mais bon, ça c'est pas grave. Le colibri, c'est moi qui l'organise. Je suis toujours sur l'étape 1 et un petit bout sur l'étape 2. Alors mes carottes, sont toujours au même point. Je suis toujours sur le feuillage hein, pour le terminer, mais là. Je vais finir, ne vous inquiétez pas. La grenouille, je n'ai pas terminé la grenouille. Enfin, terminé. Je n'ai pas brodé sur la grenouille. Je vous les montre quand même pour ceux qui ne les connaissaient pas. Hop. Alors ça, c'est un modèle de poussière d'étoile de Sabine. Voilà, la petite grenouille. Donc, ça va être ça. Mais là, bon, je vais peut-être la prendre cette semaine. Il faudrait que je me tienne. Il faut que je me... Je crois que je vais... faire une autre roue. Une roue supplémentaire de tirage au sort. Et je vais me tirer au sort. Alors, je sais pas. Bon, il y a 7 jours dans une semaine. Je vais dire que je vais en compter 5. Et il faudrait que je me tire au sort 5 broderies. Mais bon, en sachant que j'en fais des fois 2 par jour. Donc, je ne sais pas comment... On verra. On verra ça. Alors, la grenouille, le nouvel an, la carotte. Le bouddha je n'y ai pas touché cette semaine et le colibri non plus. Voilà, bon, c'est pas très grave. Maintenant, alors tout ça c'était du point compté, il y aura encore du point compté après. Je vous ai montré donc les poussières que j'avais. Non, dans ce sens-là, que j'avais terminé celle-ci. Et normalement, on en faisait une par mois. Mais comme je vous ai dit, maintenant, je la brode toute seule puisque je n'ai plus de nouvelles de ma binôme. C'est un peu bête d'avoir lâché, hein, de m'avoir lâché. Parce que la personne m'a lâché. Je ne sais pas, j'ai pas compris le problème, mais bon, c'est pas très grave. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, du coup, j'ai quand même commencé la sixième. Donc, la sixième, c'est celle-là. Ce sont des arômes. J'adore ces fleurs, les arômes. Un, deux, trois. Je voudrais bien en avoir dans mon jardin. J'adore ces fleurs-là.
En plus, ça demande beaucoup d'eau. Donc, en ce moment, il y a ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ça, c'est la sixième. Et je l'ai comm... bon, je l'ai tout juste commencé. Je n'ai pas fait de folie. Je vais vous montrer par derrière. Donc voilà la toile. Donc c'est une petite toile. Hein. Le dessin lui, par lui-même fait 12 sur 12. Voilà. Et alors je vous montre, faites pas gaffe, hein. Moi il y a des nœuds, l'arrière, je m'en contrefiche de l'arrière de mes broderies. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Mais bon, je l'ai commencé quand? Aujourd'hui ou hier? Je ne sais plus, aujourd'hui ou hier seulement. Donc voilà, mais je pense qu'elle va aller assez vite à faire. Parce que les fleurs en elles-mêmes, vous voyez, elles sont super blocs. Il n'y a pas énormément de couleurs. Donc voilà. Hop. Alors, ensuite, j'avais tiré, je vais prendre ma tablette en même temps, j'avais tiré au sort la semaine dernière. En estampé, voilà, en estampé, j'avais tiré au sort la dame de Noël, donc la dame celtique de Noël et les lapins. Les lapins, je ne l'ai pas fait, voilà. Et franchement, les lapins, bon. Alors, j'ai peut-être pas envie de les continuer, mes lapins. Mais je ne veux pas laisser perdre la toile. Donc, attendez. Bougez pas. Voilà. J'ai été chercher la toile. Donc, les lapins, voilà ce que c'est. Le motif est très joli. Hein. Je vais vous montrer la pochette. Vous verrez mieux. Le problème qu'il y a, c'est que c'est du 11 CT. Le 11 CT, ben ça. C'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai beaucoup de mal. Enfin, ça se brode facilement, mais voilà, j'ai. Bah, vous savez, quand on fait du 14 fils ou du 12 6 fils comme moi, en Aïda, je fais du 8. Donc le 11 CT, c'est du canevas, hein, carrément. Hein. Mais voilà, donc voilà ce que j'avais fait dessus. Donc, je vous montre par derrière. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de fait. Mais je n'ai pas envie de la laisser perdre. Je vous explique. Alors, je vous montre la pochette. Je l'ai mise où la pochette? Ah, j'ai oublié de vous montrer un point compté. Je vais le sortir, je vais vous le montrer juste après. Ah, ici. Pas si vous allez bien le voir, mais voilà le dessin. Voilà. Donc j'ai envie de la donner pour qu'une personne le fasse, le termine, enfin la continue. Mais je sais que sinon vous avez peut-être plusieurs à me dire oui, moi je veux bien, tant mieux. Par contre, moi je brode à l'envers. Donc, si une personne est intéressée, ou alors la personne, bah, il n'y a pas grand-chose de fait, hein, je vous remonte, il n'y a vraiment pas grand-chose, ou alors la personne démonte ce que j'ai fait. Ou alors, si vous êtes comme moi, que vous brodez à l'envers. Alors, à l'envers, je vous explique. Moi, je démarre. Alors, je démarre en haut à gauche, en bas à droite. Mon deuxième fil de la croix démarre en bas à gauche et s'arrête en haut à droite. Voilà. Donc, normalement, c'est le contraire quand on brode.
Mais moi, je suis de celles qui brodent à l'envers. Voilà. Alors, si vous êtes une, comme moi, une brodeuse à l'envers et que qu'elle vous intéresse, dites-le-moi. Ou alors, même que vous brodez à l'endroit, mais que vous vous dites, bah, il n'y a pas grand-chose de fait, je peux le démonter, le refaire. Voilà. Fin de compte, vous faites ce que vous voulez. je l'offrirai, je la donne. Donc, il y a tous les fils, bien sûr. Il y a le patron, il y a tout ce qu'il faut. Ça m'embête de la laisser perdre parce que franchement, non, je la continuerai pas. L'ancienneté, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Le modèle va être très très beau. Hein. Et je crois, il faudra que je regarde. Je crois que j'ai l'aimant qui va avec. Voilà. Donc, si je retrouve, enfin, si je retrouve, j'ai pas 50 millions d'endroits à chercher, c'est là-bas à mon bureau. Si j'ai l'aimant avec, je vous rajouterai l'aimant. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour que je vous donne cette broderie, envoyez-moi un message, alors, soit par mon Facebook, soit par mon email, il se trouve en barre d'infos. La première qui me répondra, ce sera la première qui l'aura. Voilà. Je vous demanderai juste une petite participation pour les frais de port. Là, elle est enroulée, mais je la replierai pour que le transport soit plus facile, pour que je la mette dans une grande pochette. Voilà. Je vous demanderai juste une petite participation aux frais de port. Mais bon, la personne qui prendra contact avec moi, j'en parlerai avec elle. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous l'offre. Et je pense, ouais, je crois que j'ai l'aimant. C'est, vous savez, les grands aimants rectangulaires là qu'on a dans les boutiques de partenariat. Si je l'ai, je vous le rajouterai dedans. Voilà. Donc celle-ci, je vais la retirer de la roue parce que je ne la ferai plus. Voilà. Alors, broderie estampée. Du coup, je vais alors. Est-ce qu'on peut retirer? Oui, je peux retirer. Hop, voilà. J'ai retiré mes lapins. Donc, il me reste la dame de Noël, le cheval et le cerf. Voilà. On va faire un tirage au sort après. Donc, du coup, j'ai travaillé sur ma dame de Noël. Voilà, je vous montre. Voilà, je vous montre en entier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolée, mais c'est une copie. Vous savez que normalement, bon, moi, les copies, c'est pas, je fais pas trop, mais bon, celle-ci, quand je l'avais eu à un partenariat, la boutique m'avait demandé de la commencer. Et puis, en fin de compte, quand j'ai vu le résultat pour la robe, j'ai dit, bon, je la continue. Donc voilà. Donc j'ai fait. Alors, là, ce que vous voyez, c'est en jaune, c'est pas brodé encore, puisque là, le jaune, je brode du doré. Donc, j'ai commencé. Donc, j'ai fait du doré ici, mais je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et j'ai commencé le doré ici en bordure. Sinon, tout le rouge est fait. Voilà. Tout le bas de la jupe est fait. Il me reste et puis là j'ai la bordure là à finir ici. J'ai tout le doré à broder. Mais alors le doré, je ne vais pas, je le brode pas, je vais pas le broder tout d'un coup là. Je vais broder petit à petit. Là, si le tirage au sort me dit de refaire la dame de Noël, je vais continuer à monter sur la jupe. Et de temps en temps, je ferai du doré ici, oui, et je monterai en même temps. Parce que après, bon, le doré, il y en a pas, il y en aura, mais surtout sur les frises, voilà.
Mais dans le personnage, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Après, il y aura les perles. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu de la jupe. Hein. Il est vraiment, même sans que. Là, il n'y a que cette partie-là dorée qui est faite. Mais. Mais le rendu, le drapé de la robe m'a l'air vraiment très joli. Donc voilà, du coup, j'ai fait ma dinde de Noël. Pas la dinde. Non, 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 non. La dame. Hop. Alors, je vais poser là. Donc, pour la semaine prochaine. On va tirer au sort. J'ai encore soif. Oh là là, c'est une horreur aujourd'hui. Je suis désolée. on va faire le tirage au sort. Tout au moins, on va en tirer au sort deux, mais on verra si j'en fais un ou deux. De toute façon, il n'y en a que trois. Hein, donc, voilà. Hop. Le cerf. Voilà, ce sera le cerf. Et si j'ai du temps, j'en retire une, mais. Ah ben, le cheval. Voilà. Voilà. Donc, je travaillerai ces deux estampées si je peux. Je ne compte pas la fleur, hein. La fleur, c'est à part. Si j'ai le temps de faire les deux, je ferai les deux. Sinon, j'en ferai tout au moins un des deux. Alors, je vous disais qu'il y avait un point compté que j'ai oublié de vous montrer. C'est mon toast à l'œuf. Oula. Voilà. Qui a très, très bien avancé. Alors, j'ai beaucoup travaillé ici en haut. Voilà. Donc, il a super bien avancé. Là, il me reste ici les feuilles de basilic. Puis après, il y a la tartine, là, comme ça, en coin. Il y a les petites baies. Donc, il va y avoir des baies. Là, vous voyez, j'ai déjà fait. Là aussi, là, je crois. Après, il y en aura deux ici. Deux ici et une ici quelque part, plus du demi-point, un petit peu pour faire de l'ombrage. Voilà. Donc là, il faut que je termine la feuille de basilic. Bon, il reste un point par-ci, par-là à faire. Voilà. Mais là, j'ai vraiment très très bien avancé dessus. Je suis contente. Alors lui, j'ai fait environ, je sais plus si je l'ai marqué. Cent croix. Voilà. J'ai fait environ 300 croix dessus. Non, mais elle est vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Non, là, c'est bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, le héron, mais j'ai pas travaillé dessus cette semaine.
on va mettre ça sur le côté. Voilà. Alors oui, je vous disais, j'ai peut-être bien envie de me faire une roue pour les broderies point compté. Puisque j'ai fait une roue pour les estampés, une roue pour les achats ED, une roue pour mes tricots et une roue pour le sale. J'ai bien envie de me refaire une roue dans ce cas-là pour comment aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi à trouver mes mots pour les points comptés. Voilà, je vais y arriver. Ben, je vais la faire avec vous. Alors, voyez, on met. Alors, attendez, je retourne en arrière, c'est plus simple. Donc là, c'est mes roues que j'ai déjà. Et ici, je clique. Non. Oh là là. Bon. Alors, des fois, il y a de la pub. Hein. Ça, je... Hop. On commence. Voilà, voyez, nouvelle roulette. Donc, je vais cliquer dessus. Hop, voilà. Et là, on va cliquer sur roulette, je crois que c'est la personnalisée. Oui, personnalisée, oui, voilà. Roulette personnalisée et option à choisir. Alors, ça va aller très vite, de toute façon. Alors, les hérons. Voilà. Hop. Les ronds sont bleus, donc je mets du bleu. La deuxième, les pans. Donc la couleur, les pans sont violets, ben on va mettre en violet. Voilà. Bah, pourquoi c'est les ronds, j'ai perdu le mot, et ronds, petit patapon, bah zut, les ronds il veut pas se mettre, c'est quoi ce bins, bon sinon je le ferai à part, hein. Et rond. Voilà. Changer la couleur. Donc bleu. Ah, voilà. La technique, je vous jure. Le Bouddha. Alors, le Bouddha est bleu aussi, mais bon, tant pis, on va mettre une autre couleur. Allez, on va le mettre rose. Il y a un bug. J'ai un bug. Non, arrête de me faire ça. Bon, je crois que je vais le faire en dehors de la vidéo parce que ça bug. Bon, c'est rien. Attendez. Voilà, ça y est. par contre, pour ça me met en titre Héron. Oh là là, je vous jure, mais je vous jure, mais je vous jure. Alors, du coup, là, c'est bon. J'ai réussi à rentrer toutes mes broderies. Point compté. Voilà. Et... je vais piquer, je vous jure, je vais piquer une crise. Hein. J'ai dit point compté. Ça va? Ça vous embête pas trop? Si, hein. Vous êtes comme moi.
Bon, tant pis, je corrigerai plus tard, parce que là, ça me prend le chou. voilà, donc j'ai fait, faites pas attention en haut, ça s'est marqué rond, j'arrive pas à l'enlever, je l'enlèverai après. Donc, en sachant que j'ai, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salles. Voilà. Donc, je vais en tirer 4. Je vais en tirer 4 en points comptés. Si je sais en faire plus, j'en ferai plus. Si je ne sais pas en faire plus, ben, ça restera comme ça. Voilà. Allez, on va en tirer 4. Le héros. Alors, on va le noter en même temps. Héros. On en sort un autre. Et après, les jours, ça, c'est pas grave. Ça, je fais quand, quand j'ai envie. Non, le héros, on l'a déjà sorti. Donc, on va en faire un autre. Non, hein. Non. Je crois qu'ils veulent que je fasse mes héros. J'ai une caméra cachée. Bon. Je le referai. Je vous dirai, parce que là je crois que c'est une caméra cachée. Bon, maintenant on va passer aux broderies, aux grandes broderies. Pas encore les achats ED, mais les grandes broderies. Alors, bah les grandes broderies, je n'ai fait que la maison météo. Ma maison météo. Donc, ma semaine est à jour, il reste dimanche à broder. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bleu? C'est tout tristouné en ce moment, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est tout tristouné cette année. Bleu, 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 bleu. Un petit peu de vert, un tout petit peu de jaune. Mais c'est vraiment tristouné. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Voilà. Donc là, sur ma broderie météo, j'ai fait 130 croix. Voilà, une fenêtre. Hop, on va la mettre là. Du coup, je disais, oui, c'est tout en... En grande broderie. Alors après j'ai fait mes achats ED bien sûr. Alors les achats ED, j'ai fait lesquels? Le paysage. Le paysage. Alors je l'ai mis où? La japonaise. Je croyais que j'en avais fait un peu plus. Non. Ah si, la steampunk. Donc j'en ai fait 3. Alors, on fait quoi? Ah, le chat. J'ai pas travaillé dessus, mais je vous remontre du coup. Pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà.
Donc, vous voyez tous ces petits points-là. Ça, c'est du 939. Donc, ça, je vais peut-être le retirer. Je verrai. Mais là, dans le noir, je vais même avec la lumière. Hein. Il n'y a aucune différence. Donc, je vais faire que du noir en bordure. Voilà. C'est pas ce chat-là. Hein. Donc ça, c'est le chat. On est à combien? Oh, on a fait une petite heure. Hop. Voilà, le voilà. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc ouais, je vais faire une bordure uniquement noire. Ça va être beaucoup plus simple. Alors ensuite, après le chat, donc ça, ah voilà, mon paysage. Voilà mon paysage. Donc c'est le. Il est où? Il est ici. C'est le Hayden Harbor. Voilà. Donc là, j'ai travaillé bah, toute cette partie-là. Ici. Ça paraît pas. Hein. On dirait que j'ai pas fait grand-chose, mais je peux vous assurer que j'ai très très bien travaillé, enfin très très bien, j'ai bien travaillé dessus. Il y avait quand même 303 croix. C'est pour ça que je vous dis, on dirait pas quand on regarde comme ça, mais voilà. Ah, là, je suis contente. J'ai envie de continuer là, comme ça, parce que j'ai envie de voir la montagne apparaître. Et je vous jure, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu en horizontal, là, comme ça. Pour faire apparaître la montagne. Donc là, je suis. Alors, je vais vous l'agrandir. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Et donc moi, je suis ici. Vous voyez? J'ai attaqué la montagne là. J'ai attaqué le haut de la montagne ici. Oh, j'ai hâte aussi, c'est d'arriver dans les maisons. Le ciel, ça va, hein, pour, il est, je vous dis, il est nuancé, hein, mais c'est vrai que j'arriverai là dans les. Ah si, si, si. Je viens d'avoir un doute. Je dis non, je suis pas dans la montagne, mais si, si, c'est bon. J'ai eu un doute. Je suis en train de me dire, mais où est-ce que je suis? Ouais, dans les maisons, c'est bien parce que ça va beaucoup changer. Et on va voir apparaître les maisons une par une. Après, ça va être vraiment tip-top. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc, c'est un modèle de Andy Russell. Voilà. Sur le site HAED, vous pouvez en trouver d'autres, bien sûr, de lui. Alors, ici. Commence à en avoir un peu partout là. Attendez, je remets dedans. Hop. Voilà. Et ici, c'est lequel? La steampunk. Voilà. Là, c'est la steampunk. Que j'ai avancé également. Voilà. Bon, vous voyez pas encore le personnage, hein, bien sûr, mais ça avance. Alors, la steampunk, j'ai fait. Trois cent quarante-sept croix.
Et donc la steampunk, c'est elle ici. Voilà. Voilà. Donc c'est elle. Et je suis ici dans le coin, là. Donc il y a encore du taf, hein. Pour toutes, hein. De toute façon, il y a encore vraiment beaucoup de boulot. Mais voilà. Et j'ai travaillé aujourd'hui sur ma japonaise. Alors, pareil, bon, pour l'instant, on ne voit pas le personnage, hein, ben, c'est le tout début. Alors là, j'ai pas encore mis mes aimants, ben, parce que j'en attends pour en refaire. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Et donc, la japonaise, elle est où? Elle est là. Hop. Alors, je suis... Ah, je suis... D'accord. Ah, chouette. Ah, chouette. Alors, je suis... J'arrive ici. Vous voyez là, le truc en bois là qu'elle a dans les cheveux. Donc j'arrive ici. Ah, ça va être chouette parce que là j'ai fait le bout, vraiment le bout là, noir. Et du coup maintenant les couleurs vont commencer à. Vous voyez, je suis arrivée en haut de ça là, le petit bout noir là tout en haut. Voilà. Et donc jusqu'ici. Donc ça fait ça normalement. Ouais, c'est chouette. Je suis contente. Je pensais pas encore être arrivée au personnage. Mais si. C'est top. Donc ça, c'est un modèle de... je sais pas comment ça se prononce. Gracjana Zielińska. Voilà. Il est vraiment très très beau ce modèle. Enfin, ils sont tous très beaux. De toute façon, sinon je ne les aurais pas choisis. Donc voilà. Alors la japonaise, j'ai fait 412 croix aujourd'hui. Mais je vous dis, j'ai fait une petite pause dans l'après-midi pour m'occuper de mon chien. Et du coup, comment? Du coup, j'aurais pu en faire un petit peu plus, mais bon, j'ai passé 1 heure à le toiletter et voilà, c'était cool. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Oui, je vous ai tout montré en broderie. Donc, par contre, on va quand même faire un tirage au sort. Pour alors ok, on va quand même faire un tirage au sort pour le les achats ED. J'espère que ça va pas bugger. Les achats ED, voilà. Donc, dessus, il y a la steampunk. Je vous dis, je la considère comme un HAED quand même. La japonaise, le paysage, le chat. Et puis voilà, c'est bon. Allez, on va. Oh là là, c'est pas possible aujourd'hui, ça. On va en tirer deux. Ah, la steampunk. Donc, steampunk. Voilà. Et on en tire un autre.
au sort. Peut-être que j'en ferai trois, hein, comme cette semaine, ça dépend. Hein. Non? Ah non, ça va pas me refaire le même coup que les hérons. On va rester zen, 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 zen. Le paysage, voilà. Ça va, je suis contente. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui sorte, je suis contente. Voilà. En broderie, j'ai terminé. Voilà, on est arrivé à 1h10, hein, pour la broderie. Je vais vous montrer maintenant en tricot ce que j'ai fait. J'ai un petit peu avancé. Mais donc, on va voir. Alors, avant de parler de tricot, je voulais vous parler d'une chose. Sur mon groupe, je remets en place. Qu'est-ce que t'as vu? Sur mon groupe, je remets en place deux nouveaux salles. Voilà, alors ils sont au choix. Soit ma tablette, elle déconne ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle ne veut pas. Soit les personnes en choisissent un des deux, ou s'ils ont le courage, font les deux. Voilà. Alors, en sachant qu'il y a une membre de mon groupe qui met également, qui a proposé aussi un sale qui commence le 1er mai, mais ça c'est un sale que All Forest organise. Alors, là, on ne peut pas encore le télécharger, bien sûr. Puisque ça commencera le 1er mai, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde sur la page Facebook, mais je crois que c'est ça. C'est le 1er mai. Alors, est-ce que j'arrive à... Voilà. Donc là, on a la première image, normalement. Voilà. Ça va être une broderie sur les champignons. Voilà. Donc là, il y a le premier dessin. La toile que vous voyez là, ils vont également la vendre si vous avez envie de broder sur la toile qu'ils proposent. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'ils la proposent, la toile. Ça, je sais pas. Non. Fille, vas-y, je m'installe. C'est fait comme à la maison. Alors, donc ça, c'est un salle à part, mais que il n'est pas organisé sur mon groupe, mais une membre de mon groupe l'a proposé pour qu'on le suive également. Moi, je ne sais pas encore si je vais le faire. Je réfléchis encore. Ben, le thème des champignons, c'est pas ce qui va me plaire le plus. Donc, alors, par contre, je propose deux salles. Donc, ce sont deux broderies gratuites qui sont sur All Forest. Il y a, hop là, bien là, les 100 chouettes. Voilà. Il y en a vraiment 100 sur cette broderie. Donc, il va y avoir cette broderie-là. Et il va y avoir... Alors, elle est où? Elle est plus bas, je crois. Ben, elle est où? Ouh! Ah, là, voilà.
L'île au trésor. Alors ça, c'était le sale que Old Forest proposait l'année dernière. Voilà. Donc avec les pirates. Donc c'est l'île au trésor. Alors, ce sera deux salles que nous commencerons au mois de juillet. Donc on a le choix, soit les chouettes, soit les pirates, ou les deux. Il y a sur les chouettes, il y a 16 pages. Donc ce sera 16 étapes. Moi, je laisse les étapes sur un mois parce qu'on a beaucoup de broderies, on a beaucoup de salles en cours, on a donc pas question de se presser. Donc, c'est des salles qui vont se faire sur un an et demi, mais c'est pas très grave. Les pirates, eux, ont 17 pages. Donc, ça se fera bah, sur 17 mois. Voilà, ça fait même pas un an et demi. Hein. Ça fait alors 12, 13, 14, 15, 16, 10. Oui, je compte sur mes doigts. Ça fera un an et 4 mois pour les chouettes. Et là, un an et 5 mois pour les pirates. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Ça sert à rien de se presser. Donc voilà. Donc les pirates ou les chouettes. Alors si l'aventure vous intéresse, ben, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe. Voilà. Donc je vous dis, les grilles sont téléchargeables sur le site de Old Forest, voilà. Moi, je vais mettre les liens sur le groupe dans la semaine. Comme ça, les filles qui vont les faire ben, vont avoir le temps de trouver la toile, les fils, etc. Je suis en train de chercher un truc en même temps, mais je ne trouve pas. C'est pas grave. Voilà, donc comme ça donne du temps. On est fin avril, ça fait mai, juin, 2 mois pour trouver la toile et les fils, donc c'est très très bien. Hein, t'en penses quoi, Fifi? S'en fout, Fifi. Mais alors, un point, voilà. Ça va? Oui. Oh oui, ça va. Ça va les copains, les copines? Vous avez vu, j'ai de beaux yeux, hein? Oui, j'ai des beaux yeux. Y a Marie-Lou qui te regarde. Ta jumelle du Canada. Hein, ta petite jumelle du Canada, Marie-Lou. Tu connais pas? N'est-ce pas, Amélie? Oui, je crois que c'est Amélie. Je me rappelle du nom de ton chat, je me rappelle plus de ton prénom. Ça, il faut le faire. Voilà. Hop, comme ça, vous avez vu, Fifi. Allez, je vais faire une petite pause. Alors, pour vous, je reviens tout de suite, tout de suite. Pour moi, ça va durer 5 minutes. Le temps que je range toutes mes broderies. Voilà, que je rebois un petit coup, parce que j'ai encore soif. Et que je prépare mes sacs à tricot pour vous montrer la suite. Voilà, me revoici. Vous voyez, pour vous, ça a été très vite. J'ai oublié de vous dire le résultat de mon challenge de la semaine. Alors, malgré que je n'ai pas tout brodé, j'ai réussi mon challenge. Je suis à 3327 croix. Voilà, donc je me base toujours sur 3000. Et donc là, bah, j'ai dépassé de 327 croix mon challenge. Donc, challenge réussi. Voilà. Alors, niveau achat, il n'y a rien. Hein, je crois pas. Je réfléchis. Non. Par contre, il va y avoir un achat.
cette semaine, enfin très vite, je pense, parce que je ne voudrais pas qu'il y en ait plus. Alors. Je vais me connecter. Donc, c'est sur la boutique de mère en fille. Voilà. J'arrive. Voilà. C'est une grille. Et oui, c'est une grille. J'arrive pas à l'agrandir plus, mais voilà. Mais je suis tombée en amour dessus. Voilà. Elle est trop, trop, trop belle. Alors, par contre, là, elle se fait avec des fils un peu spéciaux. Mais il faut que je regarde parce que bah, déjà ils sont pas tous en stock pour l'instant. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une toile que je vais broder le jour même que je vais recevoir. Mais c'est dommage. Enfin, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir tout d'un coup pour vous le montrer. C'est des fils qui sont comme des petites bobines. Petites bobines rondes. C'est des fils trois brins et c'est des Valdani. Voilà, ce sont des Valdani. Je vais regarder si je peux vous montrer un, tout au moins un. Parce que, vous voyez, ce sont des bobines comme ça. Et ben, j'espère qu'elle va. Ils vont vite en remettre hein, parce que bah, comme ça je pourrais me commander les fils dont j'ai besoin. Et donc ça il faut que je regarde, mais bon, voilà. Là par contre j'attends tout. Alors ce mois-ci je sais pas ce qui se passe, j'ai toujours pas reçu ma revue anglaise de broderie. Du coup j'ai envoyé un message, j'attends la réponse. Bon, comme c'est week-end, j'aurai une réponse la semaine prochaine, je pense. Mais ma broderie n'est pas arrivée, ma revue n'est pas arrivée à destination, alors que j'ai déjà commandé celle du mois de juin. Donc, j'ai pas reçu mai, et là, j'ai déjà commandé le mois de juin. Donc, on verra bien. Voilà. Allez, en tricot. Alors, j'avais prévu le pull fil d'art et le pull camionneur. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur le pull fil d'art. J'ai travaillé un peu sur le pull fil d'art. Où est-ce que j'ai mis? Oui, voilà, ici. Alors, vous voyez, voilà ce que j'ai fait. Ça me fait combien de rangs ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même une grande longueur, hein? je sais plus combien moi j'ai de mailles pour ma taille, mais bon, moi c'est une taille 50, hein, donc il y a quand même beaucoup de mailles. Je rappelle que je suis sur le devant, le dos est déjà fait. Voilà. J'aime bien la couleur. Bon, ce n'est que du jersey. Là en haut, il va y avoir un petit plastron fantaisie. Donc, ça va un peu couper tout ce jersey. Mais voilà, du coup, j'ai avancé de 7 rangs. Je sais, c'est pas beaucoup. J'ai soif. Je meurs de soif ce soir, je sais pas pourquoi. Je pourrais boire mes 2 litres de thé. voilà, mais ça avance. Ça va bien les couleurs, hein? Alors, c'est de la laine pingouin, c'est la Pingo First
Et la couleur, c'est lin. Voilà, la couleur, lin. Alors, je n'ai pas sorti mon pull camionneur. Je sais. Vous inquiétez pas, hein, il va se finir, hein, mais c'est vrai que j'y vais un peu au ralenti sur celui-là. Je sais pas. Alors, je crois que j'ai fait quelques rangs par contre sur Chouchou. Pas sur le pull de Chouchou, hein, je vous rassure. Je crois que j'ai fait quelques rangs. Ouais, vraiment quelques rangs. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 5. C'est toujours 5 de plus. Voilà. Donc, sur le pull à chouchou. Alors, j'arrive, je vous avais dit hein, la dernière fois, ça y est, j'arrive aux emmanchures là. Donc, après, ça va aller vite. Là, il me reste quoi encore? Ouais, ça à peu près, c'est un gros 5 cm. Et je serai aux emmanchures. Hop. Alors, comme je n'ai pas fait mon pull camionneur, j'ai avancé. Allez, je remets tout bien en place. J'ai avancé mon pull Armel. Voilà. Vous entendez du bruit, c'est mon lave-linge, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai avancé mon pull Armel. Ça y est, lui, je suis arrivée aux emmanchures. J'y suis. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Je les ai fait ce soir après souper. Voilà. Ça va. Il est léger, il est bien. Donc celui-là, il se tricote avec le fil eucalyptus. C'est du 100% lyocell. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc fil d'art. Et c'est la couleur lac, si je ne me trompe pas. Lac ou... Non, lagon. Lagon. C'est la couleur lagon. Alors, cette couleur-là, sur chez Fil d'Art, n'est plus vendue. Et je vous avais dit, hein, il me fallait que je trouve 2 pelotes supplémentaires, parce que sinon, le modèle d'origine est beaucoup trop court pour moi. Et donc, j'en avais retrouvé chez Mondial Tissu. Voilà. Pardon. Donc voilà, à part le pull camionneur, bah, j'ai avancé un petit peu tout le monde. Et là, j'ai sorti des pelotes. Bon, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite, hein, ça va pas exagérer. C'est pas mon genre. Voilà, j'ai sorti ces pelotes-là. Les pingouins Estérel, pardon, Lurex. Vous voyez, ça brille. J'en ai 10 comme ça. J'ai envie de me faire un petit top pour l'été. Donc, je vais. On m'a dit, hein, parce que je cherche des modèles, mais on m'a dit de regarder sur Mamie Crochet. Elle a beaucoup de modèles de top sur sa chaîne, donc je vais aller voir s'il y a quelque chose qui me plaît et puis qui serait dans qu'elle proposerait dans ma taille. Je vais voir. Donc voilà, j'aimerais bien me faire un petit top au crochet. L'idéal, ce serait au crochet, donc avec ces pelotes. La couleur là, c'est bah, rouge, tout simplement. Tout simplement du rouge. Voilà. C'est 96% coton et 4% de polyamide. Voilà. Niveau tricot, c'est tout. Et bien sûr, j'ai fait. Alors, le rang d'aujourd'hui, non. J'ai pas fait celui d'aujourd'hui.
ma couverture de cette année. La couverture de l'année dernière, je ne l'ai pas sortie. Mais j'ai celle de cette année. Hop, allez, je commence à être un peu longue. Voilà. Donc là, c'est en ce moment. Et là, c'est au 1er janvier. Voilà. Donc janvier, février, mars et avril. Oups, ici. Alors je sais pas, j'ai l'impression que avril est plus petit que mars. Bon, là, il me reste encore donc aujourd'hui, donc on est le 27. Alors 27, 28, 29, ouais, il me reste encore 4 jours. Donc non, ça devrait le faire, je pense. Mais je sais pas, ça me paraissait un peu court. Vous voyez, là, le mois de mars et le mois d'avril. Pourtant, j'ai pas oublié de rang. Hein. Non. Je sais pas. Donc voilà. Donc là, on continue la petite couverture. Bon, je vous dis, elle commence à être longue. Hein. Là, elle fait. Est-ce qu'elle fait combien? Je vais vous dire. Alors, on est arrivé à 80, ouais, 92 cm à peu près. Et on est donc fin avril. Donc janvier, février, mars, avril. Attends, maman. Avril. Mai, juin, juillet, août. Donc ça fera encore 90 cm. Donc 1,80 m. Attends, s'il te plaît. Attends, mon pépère. Et 1,80 m plus 1,80 m, ça fait 3,60 m. Voilà. Donc normalement, elle devrait faire environ 3,60 m, cette couverture. Si je la fais en une seule pièce. Si je la fais en deux pièces, ben, ça fera 1,80 m. Voilà. Oui, ça y est, maman, elle a fini. Oh chut. 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 Bon, il n'y a pas, il y a une urgence encore. Oh, je vous assure. Ils ont décidé. Il y a des jours comme ça, ça va, ils veulent pas. Il y a des jours. Voilà, bah écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Ça y est, ils sont rentrés, ils ont fait leur pipi, ils sont contents. donc voilà, j'ai pas tiré au sort les tricots, mais bon, on va quand même les tirer au sort, on verra bien si ça veut s'ouvrir. Alors, on a le pull fil d'art, le débardeur de chouchou, le pull Armel et le pull camionneur. On va tirer au sort. Hop, on en tire deux au sort. Le pull camionneur. Bon. Voilà. Et on en tire un deuxième. Le pull Armel. Voilà.
Bon, si j'avance un peu, si j'avance un peu bien, oui, c'est bien français. Je ferai peut-être un autre, on verra. Alors, sinon, ben, donc pour les achats ED, on a tiré au sort le cerf et le cheval. Pour les achats ED, on a tiré au sort la steampunk et le paysage. Et ensuite, ben, là, je ferai, ben, du coup, je me ferai un tirage au sort. Ah, on n'a pas tiré au sort les salles. Mais bon, de toute façon, comme je suis en retard sur les salles. Ah, ça y est, il y a de la pub. Allez, va-t'en. En plus, c'est de la pub TikTok. J'y vais plus, moi, sur TikTok. Ça me gonfle. Alors. Donc, les salles, on va en tirer 4. Là, bah, la maison. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la maison météo, parce que de toute façon, je la fais d'office. Mais bon, c'était rien. Je la marque quand même. Non, pas la maison météo. Ah. Le nouvel an, bah oui. Voilà. Troisième. Non. Donc là, on va retirer au sort. Allez. Attends. Attends. Le mystère. Et le quatrième. C'est quoi? Ah, le Alice. Ok. Voilà. Alors, au minimum, je dois faire ces 4 salles. Bon, la maison météo, de toute façon, je la fais toutes les semaines. Ça, c'est. Mais bon, c'est pas grave. Le nouvel an. Donc là, je vais rattraper mon. Il faut que je rattrape mon retard. Le salle mystère. Et le salle de Alice au pays des merveilles. Voilà. Bah écoutez, on a bien bossé. voilà, pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des suggestions à me faire pour la vidéo ou pour d'autres choses. N'hésitez pas. Tous les conseils sont toujours les bienvenus ou les propositions. En attendant, bah écoutez, moi je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous fais bouger, je suis désolée. Ma lessive est en train de se terminer, donc ça va tomber pile poil pour que je puisse aller la pendre. je ne ferai pas le montage. Je pensais faire le montage ce soir, mais il est déjà 23 h, ça fait un peu tard. Donc je ferai le montage de la vidéo demain matin. Et nous, en attendant, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.